Noël. Debout les copains, c'est Clips et moi avec. Demain, c'est Eva Rock que vous retrouverez à ma place. C'est pas donc. Sûr. Comment ça, pas sûr? Je sais pas, j'ai réfléchi. Bah, réfléchissez vite quand même, parce que c'est demain. Oui. C'est donc le cœur serré, mais sans pour autant en faire des tonnes, car tout simplement, ce n'est pas mon genre, que je vous présente le dernier débrief de l'année. Merci, merci, merci. Comme on pouvait s'y attendre, l'émotion est immense ce matin en studio. Surtout pour Nico Saliagas qui attend avec impatience ce dernier débrief de sa matinale. J'irai bien pisser. Mais non, restez. C'est vrai, entre Nico et moi, c'est noué au fil de la saison un lien indéfectible que seule la mort, et encore, pourra distendre. Ah bon? Mais oui, mon Nico Souné, ce n'est pas pour rien que vous m'appeliez affectueusement l'Otrokonos, l'ami cher à mon cœur en grec. Je vais terriblement vous manquer, et la réciproque est vraie. Pourquoi la réciproque? Eh bien, pourquoi pas? Mon champ lexical s'est considérablement étoffé à votre contact, Nikos. Il existe désormais une application qui permettrait de piloter totalement son smartphone juste par la voix. Charles Aznavour nous a quittés, c'était un funambule. La prolifération, une bonne nouvelle dans le monde du foot, Zidane revient. Zizi, Zizou. Nikos, ce funambule de l'info qui vous aura régalé, que vous l'écoutiez sur votre poste radio ou sur votre smart move. Ce matin, à l'heure des adieux, je crois qu'on peut également saluer vos collègues les plus proches, à commencer par Céline Dacosta, avec qui vous avez repris la bohème d'Aznavour, ce qui crée des liens. La banane. J'habite au ciel avec banane, dans un très vieil appartement. Choriste de génie, mais aussi ambianceuse hors pair, Céline aura toujours été là pour vous, Nikos, dans les moments où vous étiez le plus seul, comme lors de cette première matinale en public, un public qui s'est avéré un peu moins démonstratif que celui de The Voice. Et ça risque de ne pas être triste, évidemment. Vous émergez, vous êtes là? Oui. Céline, en tout cas, était là. Une pensée aussi, Nikos, pour Hélène Zelani, qui aura tout tenté pour vous séduire, mais vous êtes resté de marbre et n'avez jamais cédé à ses avances. Jamais. Elle en a tiré les conclusions. J'enlève les implants mammaires, du coup. Non, Hélène, ne le prenez pas comme ça, c'est dommage. Enfin, Nikos, vous avez été pour lui plus qu'un collègue, un auxiliaire de vie. Et comme vous êtes quelqu'un de fidèle, je sais que vous continuerez de lui rendre visite dans l'unité de psychiatrie de l'hôpital Cochin, chambre 212, où il vous accueillera toujours d'un bon mot dont il a le secret. Mmh, elle a tout soin, elle me touche la main, vivant la Sainte Marguerite. Voilà, je vous laisse. Nico, je vous remercie pour votre sens de l'autodérision, sans lequel rien n'aurait été possible, puisque j'aurais été viré au bout de deux semaines, voire une. Bonnes vacances, plein de bonheur. Lolo, je vous aime aussi. Eva, je vous laisse les clés. Je vous retrouve à la rentrée sur cette antenne, certainement un peu plus tard dans la journée. Et je ne vous oublie pas, ma chère Céline Dacosta, ma muse du petit jour. Céline, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour les vacances? Des fêtes libres et même libertines. Oui. Du sexe oral sur le dance floor, avec une culture du cabaret. Oui. On aime se travestir. Oui. Je raffole de ce genre de soirée. Passez me voir dans le sud. Allez, comme disait Proust, à la fin de la recherche du temps perdu, kissou kissou. Bravo, merci à vous tous pour cette année. Bravo pour cette belle saison. J'embrasse aussi mon réalisateur Philippe Amardaï en régie qui a su envoyer tous ses sons à toute vitesse pendant toute l'année. Ouais. Sébastien Bordenave, Anne Le Gall, Olivia, toute notre équipe. Sébastien qui a enregistré évidemment contre notre plein gré. Oui, tous vos off. Tous nos off. Je voulais aussi vous féliciter parce que c'était difficile pour vous de vous lever en pleine nuit, mais vous l'avez fait avec enthousiasme et vous n'avez jamais manqué merci à ce beaucoup. Rendez-vous. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour l'année prochaine. Moi de même, Nico. Je merci vous écouterai. Et Baroque, je vous embrasse. Vous êtes là demain? Oui, on se retrouve demain. C'est vous qui allez prendre cher demain. Et oui, c'est je vous le dis en tout cas. Céline Dacosta, bonjour. Bonjour, Nikos.